Salutations. Je constate concernant la petite polémique, la grande polémique pour certains, avec Lord Lambeau, l'hypocrisie des panafricains et des Noirs de France en général. Vous avez cette organisation qui enseigne que les Africains vivent une vie de jungle, que les Noirs sont maudits après s'être rebellés contre Dieu, et qu'il y a une défiguration, que les Noirs n'avaient pas les cheveux crépus, qu'ils n'avaient pas les gros nez et les grosses lèvres. Et qu'après s'être rebellés contre Dieu, ils ont été défigurés, ce qui nous donne l'essence de la laideur, et que c'est là qu'on a eu nos phénotypes. Et vous avez des membres de cette organisation qui font des conférences ici et là, et vous les applaudissez comme des bouffons. Et lorsque Lord Lambeau tient des propos qui sont bien évidemment pas plaisants, mais minimes comparés à ces propos de cette organisation de panafricains, vous n'avez rien à dire. Vous êtes tellement ridicule. Je suis en train de me demander si on ne va pas devoir vous décerner des prix de stupidité. Donc, vous vous indignez face à ces propos à lui, mais des gens qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, et même quand la question est posée, vous avez des adeptes de cette organisation qui vous disent oui, les Africains vivent une vie de jungle. Et là, vous n'êtes pas indigné. Parce que vous êtes des lèche-bottes. Et quand je dis des lèche-bottes, je suis poli. Et je suis content de cette hypocrisie, de cette justice à deux vitesses, de ce deux poids, deux mesures pour les générations futures, afin qu'elles comprennent, voient et constatent que c'est consistant, que c'est régulier, cette hypocrisie de ces bouffons de panafricains. Merci de la montrer. Au revoir.